Niederbronn-les-Bains, 4300 habitants, des thermes réputés, un casino et une bienheureuse. C'est en effet ici, dans l'Outre-Forêt, qu'en 1814 est née Elisabeth Épinger. Aînée de 11 enfants, fille de cultivateurs, c'est dans cette maison que vit la famille. Elisabeth y passera 35 ans jusqu'à la fondation de sa communauté, les Sœurs du Très-Saint-Sauveur. C'est d'ailleurs Sœur Bénédicte qui nous sert de guide sur les traces d'Elisabeth, devenue mère Alphonse-Marie. Alors nous sommes à l'église Saint-Jean, qui était l'église dans laquelle Elisabeth a été baptisée. Voilà, le baptistère où elle a eu le baptême, le lendemain de sa naissance. Et cette église était une église simultanée. Elle était à la fois aux chrétiens protestants et catholiques. Et dans cette église, Elisabeth dit qu'elle a reçu beaucoup de grâce. Dotée d'une très grande sensibilité spirituelle, très tôt, la jeune Elisabeth s'interroge et cherche des réponses auprès de Dieu. Elle prie énormément, notamment au pied de ce calvaire, puis dans la chapelle du premier couvent. L'occasion d'évoquer les saints patrons qu'Elisabeth a choisis pour sa congrégation. Elle a dit qu'elle avait lu avec beaucoup d'intensité, de plaisir aussi, la vie de Thérèse d'Avila et de saint Alphonse de Ligorie. Et elle les a choisis comme patrons de la congrégation, en plus de saint Joseph qui était le patron principal. Et les premières sœurs l'invoquaient beaucoup quand elles étaient en peine. Parfois elles n'avaient plus de nourriture pour les enfants, elles invoquaient saint Joseph, et puis comme par miracle, il y a eu des paysans qui sont venus apporter un tombereau de pommes de terre ou un boulanger apportant les pains qu'il venait de faire. Donc c'était, saint Joseph était vraiment le père nourricier. D'autres vitraux contemporains dans l'église Saint-Martin retracent la vie et l'œuvre de mère Alphonse-Marie, les missions de sa congrégation également. Par exemple, les soins aux malades à domicile, une nouveauté pour l'époque, l'aide aux plus démunis, ou encore l'accueil des orphelins ou les missions en Afrique ou en Asie. Retour à la maison natale. Sœur Bénédicte y vit avec deux consœurs et y accueille les visiteurs dans un espace où sont rassemblés quelques objets ayant appartenu à la mère fondatrice. On y découvre entre autres qu'Elisabeth Épinger a dû affronter trois maladies graves au cours de sa vie, éprouvant sa foi, ou encore qu'elle savait lire mais pas écrire. Mais pour Sœur Bénédicte, le plus important reste l'esprit légué par mère Alphonse-Marie, toujours présent et qui la guide au quotidien. C'est un esprit, je dirais, d'humilité, de modestie, d'intériorité et surtout d'un grand dévouement, d'écoute. Et on va vers les personnes qui ont besoin de nous, sans les juger, sans tenir compte de leur religion, de leur croyance, de leur opinion politique, non. Quelqu'un qui a besoin d'être aidé, ben on y va. On a des grands défis à relever. Nous sommes dans une société d'abord multiculturelle, multireligieuse. Alors au milieu de ces réalités-là, il faut que nous, on essaye de voir comment on transmet quelque chose de sa foi, de son amour, de son intériorité. Et c'est peut-être cette transmission que la béatification va faciliter, puisqu'un culte public pourra dès lors être consacré à mère Alphonse-Marie. Cette cérémonie, la congrégation et l'archevêque la préparent avec minutie. C'est un événement qui était attendu depuis longtemps. Tout le monde se réjouit maintenant et nous voyons ça aussi comme une confirmation de l'Église que sa vie et sa spiritualité est un modèle pour nous et pas seulement pour nous les sœurs, aussi pour d'autres personnes. Un modèle pour les croyants alsaciens d'abord, puisque la cérémonie de béatification se tiendra dans le diocèse le 9 septembre prochain.